nourrir, torturer, noyer et brûler à peu près 100 000 malheureuses femmes. Parce que oui, la sorcière est liée à la terre et à la lune, mais elle craint l'eau et le feu. Enfin bon, il n'y a pas besoin d'être une sorcière pour craindre d'être noyée et brûlée, mais enfin. Et bonjour à tous, et aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler de la sorcière. Alors, la sorcière, on la voit plutôt laide, avec un nez crochu, un chapeau qui touille sa marmite dans sa cabane au fond des bois. On pense notamment à la sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, ou à la Baba Yaga dans les contes russes, et notamment réinterprétée chez Miyazaki. Mais on a aussi la vision d'une sorcière belle et séductrice qui nous attire dans ses filets pour nous faire succomber au plaisir de la chair. Avec en première position Circé, belle et dangereuse, qui transforme l'équipage d'Ulysse en cochon et garde Ulysse pour quelques temps quand même. On a aussi Isis qui retransforme Lucius en humain après que celui-ci ait été transformé en âne. Donc la sorcière, c'est cet être qui transforme et se transforme. C'est un être protéiforme. C'est aussi un personnage passe-partout qui retire des verrous physiques comme symboliques. Dans Harry Potter par exemple, il y a beaucoup de déverrouillage de verrous. Même si à Poudlard, ils apprennent très tôt à leurs élèves à déverrouiller des portes tout en gardant des choses très dangereuses derrière des portes déverrouillées. Et de fil en aiguille, il y a beaucoup de séries qui ont vu le jour, avec pendant les années 70 Ma sorcière bien-aimée, puis ensuite Sabrina, et on ne compte plus aujourd'hui le nombre de séries Netflix qui parlent de sorcières. Mais il y a aussi des sorcières bien contemporaines qui existent. Il y a des jeunes femmes qui nous disent que ce sont des sorcières et qu'elles ont un véritable pouvoir. Je m'appelle Lisa et je suis voyante stripteaseuse. Je me considère sorcière parce que je me sens proche de cette figure un peu en dehors des normes et de cette figure en fait qui est très libératrice. Et comme d'habitude sur la chaîne, eh bien on va se demander mais d'où est-ce que ça vient tout ça. On va analyser la modernité comme d'habitude et on va se demander mais pourquoi est-ce que les sorcières existent encore. Alors ce qui est certain, c'est que la sorcière a un rapport privilégié avec la nature, mais pas la nature, les petits oiseaux, les petites fleurs, non. La nature inquiétante, occulte, sombre, réservée aux initiés. Et notamment, il y a un rapport à la lune. Déjà, en Égypte antique, on avait fait un lien entre les cycles lunaires et les cycles menstruels des femmes. Et on avait déjà établi un lien symbolique entre la femme, le féminin et la lune. Nous avions aussi les sorcières de Thessalie qui accomplissaient des rituels pour attirer la lune vers la Terre et s'accaparer ses rayons cosmiques et ses pouvoirs quasi divins. D'ailleurs, aujourd'hui encore, la sorcière tente d'aller vers la Lune pour s'accaparer ses pouvoirs en volant vers elle, en empoignant son balai magique, cette fois lui très phallique. Et quels sont les autres éléments d'une bonne sorcière traditionnelle? Eh bien, nous avons le miroir magique, nous avons la boule de cristal et nous avons aussi le chaudron dans lequel elle touille sa potion de façon circulaire. Que de cercles et que de cycles qui nous rappellent la lune, qui nous rappellent son pouvoir cyclique et le pouvoir de la nature, le pouvoir des saisons, les cycles menstruels, etc. Donc nous avons aussi le rituel du sang, bien sûr. Les grands prêtres et les grandes prêtresses de jadis empoignaient un sacrifié et ils s'accaparaient son cœur et son sang pour prendre son pouvoir, pour prendre sa puissance. Et c'est ainsi que petit à petit nous avons créé une triade entre la lune, le sang, le rituel lunaire, le rituel du sang et la sorcière qui forment un grand tout. Quand la sorcière regarde sa boule de cristal ou son miroir, ou quand elle touille sa marmite, ou quand elle regarde la lune, elle peut y entrevoir son propre reflet. Et encore une fois, souvenez-vous, dans l'imaginaire collectif, la femme est liée au sang. D'ailleurs, on faisait courir les femmes qui avaient leurs règles dans les champs pour éloigner le mauvais sort jadis. Le sang, c'est aussi la vitalité. La sorcière est au centre des énergies, donc elle extirpe cette énergie vitale, ce sang, hors du corps humain, et c'est pour ça que la sorcière est extirpée hors du village et qu'elle vit seule à la lisière de la forêt. Mais notre monde moderne ne serait certainement pas aussi friand de sorcières s'il n'y avait pas eu cette fameuse et bien réelle chasse aux sorcières
entre le 15e et le 18e, instigée par la religion chrétienne et qui a vu mourir, torturer, noyer et brûler à peu près 100 000 malheureuses femmes. Parce que oui, la sorcière est liée à la terre et à la lune, mais elle craint l'eau et le feu. Enfin bon, il n'y a pas besoin d'être une sorcière pour craindre d'être noyée et brûlée, mais enfin. Mais qu'est-ce que l'on raconte au 14e? Eh bien, on raconte qu'une jeune fille, chaste et pure, justement, rentre chez elle et rencontre le diable. Et celui-ci lui propose des pouvoirs surnaturels en échange de son âme. Et c'est ainsi qu'est née la figure de la sorcière satanique, la sorcière putain, et qui dessert la réputation de toutes ces dévergondées qui ont osé aller cueillir des petites herbes dans la forêt, toutes seules en plus, sans leur mari. Donc vous l'aurez compris, la sorcière, ça n'est pas un personnage, mais c'est un conglomérat de plusieurs personnages tissés et accumulés au fil du temps, qui résonnent entre eux avec le personnage de la magicienne, la prêtresse, la guérisseuse, la nécromancienne, la sorcière séductrice et la sage-femme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, la sorcière résonne chez certaines femmes comme une figure de liberté et d'indépendance. Il y a cette volonté de transgresser et de se rebeller contre un ordre préétabli. Et c'est pour cela que certains mouvements contemporains se sont appropriés cette figure. Des mouvements ésotériques, des mouvements féministes, parfois les deux. Et cette figure va être accaparée, une figure malléable à merci, avec laquelle on va former un cheval de bataille pour défendre nos opinions et notre combat. Et c'est de là que l'on va créer l'arc narratif de la sorcière moderne. Donc, que se raconte comme histoire la sorcière moderne? Eh bien, il y a le fantasme du héros, donc son arc narratif. Nous sommes dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus incertain. La personne moyenne se sent exposée au danger, à l'incertitude, à l'ennui aussi. Il est clair qu'une aventure de sorcière, c'est beaucoup plus attrayant qu'une vie de bureau. On s'autoproclame donc sorcière pour vivre une aventure trépidante. Je suis une personne libre, indépendante et des forces obscures veulent m'asservir. Avec un opposant qui sera en fonction la médecine moderne, les reptiliens, les Illuminati, enfin bref, le pouvoir obscur, réel ou non, mis en place. Mais c'est aussi un moyen pour certaines femmes de se reconnecter à cette espèce de nature cyclique. J'habite dans la ville, dans un environnement urbain. Natacha, par ses soins, elle me propose de vraiment me reconnecter à cette nature cyclique qui est la mienne. Mais revenons à l'arc narratif de la sorcière moderne. Donc, quelle histoire est-ce que je me raconte, moi, sorcière libre, rebelle et indépendante? La situation initiale, ce sera « Je suis une femme, une sorcière, libre, puissante, j'ai des pouvoirs, je suis indépendante. » L'élément perturbateur, donc l'antagoniste, arrive. L'ennemi, la médecine, me prend mes pouvoirs, je suis désemparé. Toujours pris ces petits cachets roses et les petits cachets bleu? Bah, il faut les prendre, hein, sinon comment il veut faire dodo et être en pleine forme? Et bien sûr, péripéties et dénouement, je vais vivre des aventures, je vais vivre un combat avec mes amis sorcières, je vais réunir une armée de sorcières, par exemple, pour nous réapproprier nos pouvoirs perdus. Et la vraie histoire de la sorcière moderne, c'est se réapproprier un pouvoir perdu. Et ça, symboliquement, c'est très intéressant. La sorcière moderne va donc installer des rituels visant à rendre cette narration plus réaliste, plus immersive. On aura l'intervention d'artefacts, donc de bougies, de pierres semi-précieuses, cartes de taromancie, de l'encens, la fameuse herboristerie, et bien sûr tous les signes vestimentaires et les tatouages. Nous avons aussi cette sorcière et son fameux élixir de lune. Le sang de mes règles, j'appelle ça mon élixir de lune. C'est vraiment un nectar précieux qui me permet de reconnecter avec un pouvoir, une puissance intérieure perdue. Et alors ce qui est très intéressant, enfin ce qui est génial, c'est que nous avons ici réuni en un rituel contemporain, la symbolique de la lune, le rituel de la lune, le rituel du sang
et la narration, l'arc narratif, je me réapproprie à travers une substance que je bois, mon pouvoir perdu. Donc là, la triade est complète, entière, et nous assistons en fait à quelque chose qui est génial, parce que c'est une espèce de réappropriation parfaite et intégrale du rituel contemporain. Et donc oui, il y a aussi cette fusion entre la sorcière et le New Age, parce que dans le New Age aussi, il y a intervention d'artefacts, de bougies, d'encens, etc., de guérison par les mains, mais il y a aussi cet arc narratif de nous approprier un pouvoir qui nous a été volé par une force obscure. Il y a aussi cette notion de puissance perdue dans le New Age, et c'est pour cela qu'il y a eu absorption par la bulle New Age de la sorcellerie moderne. Alors, pouvoir perdu, c'est très bien, mais où est-ce qu'il se trouve, ce pouvoir, maintenant? Donc, on l'a dit, on est dans un monde de plus en plus complexe et incertain, et cela va révéler des insécurités en la personne. Elle va vouloir reposséder plus de prise et plus d'emprise dans sa vie, et c'est comme cela que ces rituels vont s'installer, et va se révéler aussi un questionnement subconscient inhérent à l'humain. Quelle est ma place dans ce monde? Et ça n'est pas sans nous rappeler une histoire, et là mes abonnés voient parfaitement où je veux en venir. Il s'agit de l'épopée de Gilgamesh. Parce que oui, Gilgamesh aussi va tenter de retrouver un pouvoir perdu. Au tout début, il fait équipe avec Enkidu, c'est leur puissance. Enkidu se fait tuer sur ordre d'une sorcière, justement, pas n'importe laquelle, Ishtar, la déesse sorcière belle et dangereuse. S'ensuivra alors le voyage initiatique de Gilgamesh, qui va tenter de retrouver son pouvoir face à cette situation déstabilisante, cette situation où il se sent faible, et il va se demander « Mais quelle est ma place dans ce monde ?» À la fin de son voyage, il rencontre Utanapishti, un sorcier immortel, qui va lui donner une herbe de jouvence, donc un artefact. Mais Gilgamesh va très vite se rendre compte que ça n'est que de la poudre aux yeux, et qu'en tant que mortel, il est voué à mourir et il va devoir l'accepter. Mais le sorcier lui dit bel et bien que ce pouvoir qu'il cherche tant, il ne l'a jamais perdu, il a toujours été en lui, et qu'il a fait montre de ressources insoupçonnées durant tout le long de ses aventures. D'où ma question pour clore cet épisode. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'herbes, de jouvence ou non, pour se réapproprier un pouvoir? Est-ce qu'on a vraiment perdu notre pouvoir, ou est-ce qu'on en est juste amnésique? Est-ce qu'on l'a juste oublié au fin fond de nous-mêmes? Et enfin, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'auto-proclamer sorcière ou sorcier pour se sentir puissant et sentir qu'on a de l'affirmation et de l'emprise face à la vie? Eh bien, cette question, je vous laisse y répondre dans les commentaires, et je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.